j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour vous faire un study vlog. Voilà, ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. Là, il est actuellement 8h50. J'ai mon ami qui vient me chercher à 9h pour qu'on aille travailler à la fac ensemble. En fait, il y a la BU et à côté, nous, on a une salle exprès pour les étudiants en santé. Et du coup, bah, on se pose souvent là-bas pour travailler. Donc, je vous amène avec moi. Vous allez voir tout ça avec moi. Je vous dis un peu tout ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, j'ai pris mon cahier de pharmacologie car on a un mois des partiels. Du coup, je re-révise. Je vais avancer sur mes cours de psycho aussi. Là, j'ai eu un cours sur le handicap. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis prête. Je me suis maquillée, je me suis préparée, j'ai déjeuné. Du coup, là, je l'attends et on y va. Tant que j'y suis, je vais vous parler de ma lecture en cours. Je suis en train de lire Elle a tes yeux, mon amour, de Tiffany Moni. C'est trop, trop bien. Franchement, j'en suis à plus de la moitié. Je suis à la page 261 et en tout, le roman fait 388 pages. Donc, je pense qu'il y a moyen que je le finisse cette semaine. Du coup, aussi, aujourd'hui, objectif, avancer dans ma lecture. Donc j'hésite à le prendre et à l'amener avec moi à la fac. Je sais pas encore, on verra. Bref, j'ai pas mal de petits trucs aussi à faire après les cours. Ça, je vous montrerai de l'organisation, des posts à prévoir. Je réfléchis aussi pour le contenu sur ma chaîne YouTube. Parce qu'en fait, je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous voudriez voir sur ma chaîne YouTube. Et vous avez été tellement adorables avec vos retours. Donc j'ai pris tout en note et je vais essayer d'analyser ça ce soir. J'en arrive dans la salle avec Farah. Tu vas bosser sur quoi, Farah? Sur l'informatique. Info. Moi, je sais pas encore. On va voir. Bon, là, petit update, on a mangé. Je suis partie aux toilettes et là on retourne travailler, il est 13h, on a fait une petite pause café, ça fait trop du bien. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai rien, c'est bon. En plus, attendez, regardez, on voit un amphithéâtre, c'est trop beau. Bref, du coup, ce matin j'ai fait de la psycho et là je vais finir la psycho puisque j'ai fait des annales et je vais avancer sur la pharmacologie. C'est parti. Je viens de rentrer chez moi, il est 16h, si vous savez à quel point je suis fatiguée, mais genre vraiment. Bref, là ce que je compte faire du coup, j'ai envie de vous tourner 2-3 TikTok, j'avais fait des petits brouillons donc je vais les réaliser pour que ce soit des TikTok à sortir. J'essaye d'en sortir un tous les jours même si parfois c'est un peu compliqué donc je suis plus sur le 2 ou autre. Mais j'ai reçu un colis, je compte vous tourner une vidéo vlog bookstore la semaine prochaine. Du coup je vous les représenterai dans cette vidéo mais je me suis dit là on allait faire le petit unboxing, déjà le carton. J'ai pas compris, mais je crois savoir ce que c'est, du coup, trop contente. C'est des services presse, mais pas n'importe quel service presse, parce que j'ai l'habitude de recevoir des romans. J'ai déjà reçu les webtoons, mais en format papier, et là, j'ai déjà aussi des BD, des romans graphiques. Là, j'ai la pépite de la pépite. J'ai reçu des mangas. Alors, ils viennent de la maison d'édition Mangatsu, donc je les remercie de m'avoir envoyé ces tomes-là. Franchement, je suis trop contente de pouvoir collaborer avec eux. J'ai reçu le tome 1 des Enfants d'Hippocrate et genre trop contente, je suis étudiante en santé, donc franchement, c'était un manga qui m'intéressait. Je les avais repérés en librairie et du coup, bah, je suis trop contente, je voulais trop lire. Donc voilà, je suis vraiment trop contente, il y a déjà plusieurs tomes qui sont sortis, donc c'est trop bien. Et ensuite, c'est un shoujo, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand et tout. Franchement, il est magnifique. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un shoujo. Après je m'en renseignerai. C'est Ice Guys et The Cool Girl. Donc voilà, regardez comment ils sont magnifiques. Ils sont vraiment trop beaux. Ça a l'air trop mimi. Les dessins sont incroyables. Du coup, bah, va falloir que je réalise des petites photos de ces mangas pour faire des petits posts sur Instagram. Et puis, bah, j'ai trop hâte de les lire. Je pense que je vous les lirai dans un vlog ou je sais pas. Mais en tout cas, je vous les représenterai dans ma vidéo bookstore. Donc si vous les revoyez, ne soyez pas étonnés. Mais je suis trop contente, j'avais trop envie de les ouvrir. J'arrivais pas à attendre jusqu'à mardi. Parce qu'on est mercredi, j'avais pas à attendre aussi longtemps. Mais du coup, de super réceptions livrées. Franchement, je suis trop contente. Et je vous présenterai les autres livres aussi que j'ai reçus, parce que j'ai reçu pas mal de petites choses ces derniers temps. Allez, on se met au boulot. Je vais tourner mes TikTok, moi. Et puis après, on va voir ce que je fais.
du coup, je vous reprends. J'ai terminé de lire mon roman. Je suis trop contente. C'est Elle à tes yeux, mon amour. Il faut que je fasse une photo, mais j'ai vraiment pas d'idée pour la photo. Je sais pas quoi faire. J'aurais bien aimé avoir des plantes, un truc. Je vais voir si j'arrive à faire une photo là ce soir, mais ça m'étonnerait. Mais c'était trop bien. Franchement, j'ai trop aimé l'histoire. Je lui ai mis un 4 sur 5 sur Goodreads. Et la plume était trop belle. Enfin, l'histoire aussi. La fin aussi m'a beaucoup plu. Donc, je suis trop contente de l'avoir lu. Et ça me fait un livre de plus de lu. Et c'est mon premier livre pour le mois de mars. Du coup, voilà. Là, je suis un peu fatiguée. Je sais pas trop à quoi va ressembler mon programme. En tout cas, je pense que je vais voir si je peux essayer de faire ma photo. Je vais ranger ma chambre. Et puis, ce soir, je vais au cinéma. Je sors avec mon copain. Donc peut-être que je vous filmerai quelques scènes et puis après je clôturerai la vidéo. Mais en tout cas, j'ai bien travaillé aujourd'hui et ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Et en plus je suis trop contente pour les petites réceptions. J'hésite à les montrer en story, je sais pas. Je les réserve pour mon bookstore et après je pense que je le montrerai lundi ou à voir. On va essayer d'organiser ça, c'est parti. Du coup, je vous prends, je viens de me préparer pour ma petite soirée. Je me suis remaquillée, je sais même pas si on va bien voir. Bref, voilà, j'ai pris ma petite douche, je me suis préparée, il manque juste le gloss. Après, bah, je suis fin prête. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même vous clôturer le vlog là pour pas aller en longueur et tout. Mais comme ça, au moins, ça me permet de pouvoir clôturer le vlog en vous parlant un petit peu et pas comme ça en vous oubliant. Donc, je finis de me préparer en regardant un vlog de Nina Quill. Franchement, j'aime trop. Ça fait trop plaisir. Elle est grave active en ce moment. Donc, très contente. En plus, elle a présenté une boutique de marque-page incroyable. J'ai vu Nezuko. J'étais en mode, ok, on va aller sur cette boutique. Mais du coup, voilà, c'est tout pour moi. Là, je suis pratiquement fin prête. Touche finale, le gloss. Oh, j'aime tellement mettre du gloss. Et puis voilà, il faut que je fasse, que je prépare mon petit sac quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui avec les cours. Donc je travaille principalement toute la journée. Comme ça, quand je rentre, je peux bosser pour les réseaux sociaux ou pour les choses plutôt qui m'intéressent le plus. Puis après, bah du coup, je prends soin de moi. C'est pas tous les soirs comme ça où je sors et tout, mais là, du coup, j'en profite. Du coup, demain, je commencerai à étudier un peu plus tard. Et puis après, on sera vendredi et ce sera le week-end. Bon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!